Oh là, Venom, il va prendre tarif. Hein. Regardez, j'en mets plein devant lui, là. Hop, ça pète. Wow. Oh, il est mort. Ok, les potes. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va redécouvrir Venom parce qu'il a envahi ma ville sur Minecraft. Regardez, il est juste derrière moi. Il est tout au loin. Attendez, on va aller le voir. Je vais vous montrer où il est. Hop. Attendez, mais il a disparu. Attendez, il était là il y a 30 secondes. Je vous jure qu'il était là. Attendez, on va essayer de retrouver sa trace. Oh, il est là-bas. Mais regardez-moi ça, c'est Venom, il est complètement immense. Il est en train de se déplacer. Bref, mets un gros pouce bleu et abonne-toi, la chaîne c'est pas encore fait mon pote. Voilà, je sors des vidéos tous les jours, donc active cette cloche, très important, pour recevoir chacune de mes nouvelles vidéos. Et n'oublie pas aussi de me soutenir dans la boutique Fortnite, parce que j'ai repris les vidéos sur Fortnite, voilà. Donc n'hésite pas à me soutenir dans la boutique. Mon code créateur les potes sur Fortnite c'est FULLBOSS, voilà, code créateur. Code créateur Fortnite les potes, ça ferait trop plaisir. N'hésitez pas à me soutenir un maximum. Voilà, dans la boutique, vous bombardez mon code, comme ça vous me mettez très très bien et ça ferait très plaisir. Voilà, je vous remercie énormément. Voilà, code créateur Fortnite, FULLBOSS, les potes, voilà, bombardez-moi ce code. Et regardez, oh, il y a Venom qui est juste là. Regardez les potes, il y a Venom qui est juste là. Je peux le taper, je suis en créatif, il peut rien faire. Allez, je peux le soulever, il peut rien faire. Bon, parce que là, pour le moment, on est en créatif, tu vois, c'est assez drôle, c'est plutôt facile. Mais regardez ce qui se passe quand je me mets en mode survie. Je vous avoue qu'en fait, je crois qu'il va m'éclater. Hein. Oh, ok, il me voit. Oh là 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 là, déjà là, attendez. On va essayer du coup de se faire une petite cachette pour essayer de survivre à Venom et... Ah. Bon. Oui, Venom, excuse-moi. Ouais, ok, je te respecte. Je te respecte, t'es trop fort. Bon, bon, comme t'as pu le voir, mon pote, Venom, il est costaud, il rigole pas du tout. Donc moi, ce que je propose, c'est de prendre une armure. D'une armure, je crois que c'est ça, l'armure en diamant, ça va prendre une tenue de policier. Je pense que les policiers, ils ont plutôt du bon stuff, on va dire. Et, très important, on va prendre aussi une épée. Voilà, prendre une épée en diamant, histoire de pouvoir, du coup, taper Venom et de pouvoir se défendre. Donc, ce qu'il nous faudra aussi, peut-être, c'est comment ça s'appelle? Peut-être des blocs de terre, je sais pas, ça pourrait être utile. Genre, tu sais, pour histoire de creuser, enfin, de poser des blocs et de se cacher tranquillement. Et je vais prendre aussi des pommes. Prendre des pommes comme ça, dorées. Je sais pas si c'est cela qu'il faut prendre, mais... Voilà. Bon, bah voilà, déjà, pour commencer, on est pas mal. Peut-être qu'on prendra autre chose après, si on voit que ça marche pas. Bon, déjà, la première mission, voilà, c'est de retrouver Venom. Donc, on a retrouvé Venom. De toute façon, il passe pas inaperçu, comme tu peux le voir. Hein. Venom, il est... Bah, il est quand même grand. Voilà, il est quand même très, très grand. Donc là, je pose mon épée ici. Je pose mes pommes ici. Et on est parti, les potes, à l'attaque. Hop là. Oh non, 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 il va me tuer. Vite, faut que je prenne des pommes. Pour pas que je meure de dégâts de chute. Et là... Ah, mais... Ah ouais. Alors là, par contre... Ah, c'est cool, je perds pas mon stuff. Par contre, Venom, il fait mais trop trop mal. Hein. Il fait trop trop mal. Donc, changement de plan. Il va falloir qu'on enchante tout ça parce qu'on n'est pas assez costaud, en fait. Comment on pourrait... Est-ce qu'on a des enclumes dans... Est-ce que j'ai des petites... Oui, parfait, j'ai une enclume. Donc, on va mettre des enclumes. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre, du coup, des livres d'enchantement. Donc, on va prendre protection. Ça s'appelle protection... Protection, attends, on va mettre protection 5. Protection 5. Non, protection combien? Ok, protection 4. Il y a pas... Ah, c'est que protection 4, je suis bête. Je suis bête, c'est protection 4. Donc là, on prend protection 4. Protection 4, voilà. Donc là, déjà, on va être pas mal. On va être plutôt pas mal. Et ce qui serait bien, c'est de prendre aussi chute amortie. Comme ça, ça permet de pas prendre de dégâts de chute. Ah, ça, c'est trop bien. Et... Ensuite, on prendra solidité, mais on verra plus tard. Donc, pour le moment, on a tout ça. Est-ce que dans l'enchantement... Ok, super. Bah là, vous savez quoi? On va prendre le livre solidité. Voilà. On va prendre 4 livres solidité 3. Hop. Et pourquoi pas une tranche en 5 pour faire beaucoup de dégâts à Venom. Tranche en 5. Voilà, on est bien. Bon, là, les potes, là, je pense qu'on est super bien. On va pouvoir, du coup, enchanter tout ça. Donc, tranche en 5. Et là, on va prendre l'armure. Donc, hop. Petit tuto comment battre Venom et ensuite on essaiera de se faire une cachette, un bunker sécurisé pour pas que Venom me trouve et me fasse la peau en fait. Parce que là pour le moment il est assez énervé. Donc là on enchante. Solidité 3, protection 4, solidité 3, protection 4 et solidité 3. Ok, donc on a tout en P4, solidité 3. On est super bien, hop hop hop. Et là on a plus qu'à aller à l'attaque, c'est parti. Je suis full enchant, j'ai un stuff plutôt pas mal. Donc là je vais voir... Je pense que là, les amis, on va pouvoir essayer de l'éclater. Je pense que ça devrait le faire. Alors, Venom, ah, il est juste là. Super. On va se mettre en mode survie. Et déjà, on va voir le nombre de dégâts que je vais prendre en tombant. Normalement, je ne suis pas censé prendre trop de dégâts.
Oh, je prends que dalle de dégâts. Et ce qui me fait beaucoup. Oh, regarde, on quand même, grâce à l'armure, on risque quand même pas mal à Venom. Par contre, il fait quand même. Ah ouais, il fait quand même 2-3 dégâts de cœur. On va tenter de se fight avec lui. Est-ce que je vais réussir à le tuer? C'est ça la question. Mettez-moi dans les commentaires si toi tu penses que je vais le tuer ou pas. Tu me dis si tu penses que je vais réussir à le battre. Moi, en vrai, je pense que oui. Hein. Je pense que je suis capable. Il va falloir que je mette des bons coups d'épée, tu vois. Ok, donc pour le moment, je suis plutôt pas mal. Là, Venom, il a perdu. Oh, wow, il me fait mal. Je vais aller me cacher dans le magasin, moi. Hop. De toute façon, il pourra pas venir ici, il est trop grand. Oh, c'est trop bien, il peut pas venir. Oh là là, on a trouvé la technique pour survivre à Venom. Oh, en fait, il suffit de passer dans des endroits comme ça et il peut pas venir. Est-ce que je peux le taper sans qu'il me touche? Ça, ce serait trop fort. Ah, il peut quand même me toucher, malheureusement. Ok, c'est parti, on va tenter de le battre. Ah, c'est chaud. Ok, je vais me cacher. Je vais reprendre une pomme et on va l'attaquer. Et c'est parti. Ok, oh, il s'est téléporté. Je crois qu'il a pris des dégâts, là. Hein. Je pense qu'il a dû avoir pas mal de dégâts. Je sais pas combien de cœur il a, Venom, mais j'ai l'impression qu'il a énormément de cœur. Hein. Alors, s'il y a quelqu'un qui pense savoir combien de cœur il a, bah, n'hésite pas à me le dire parce que... Mais on peut pas le tuer en fait. Faut savoir que j'ai une épée tranchant 5 hein. Et une épée tranchant 5 c'est super fort. Normalement. Pour vous dire, par exemple, moi par exemple, on met 2 coups de tranchant 5. Sans armure bien sûr, bah je meurs. Et ça fait 13 points de dégâts d'attaque. C'est énorme, c'est juste énorme. Bah, regardez, vous voyez ce cheval. Ah, je peux pas l'attaquer, d'accord. Ouais, ce PNJ, et bah en 2 coups il meurt. Tellement c'est fort, tu vois. Donc là, on va tenter de. Ok. Venom, j'arrive pas trop. Ah, je vais mourir. Non, les potes, j'ai pas envie de mourir, au secours. Comment je vais faire pour... Oh là là là. Alors là, par contre, faudrait essayer de creuser, là. Il va me taper, j'aurai pas le temps. Oh là là, ça se fight. Ah, faut essayer de le fumer. Par contre, je vais mourir. Ok, changement de stratégie. Hop, on va se cacher là. On va reprendre des pommes. Là, on va aller l'attaquer. Hop, c'est parti, on va lui mettre un maximum de coups. Je sais pas du tout combien de vie il a. En fait, je sais même pas, ça se trouve, je lui fais 0 dégâts. Hein. Enfin, non, c'est sûr que je lui fais des dégâts parce que... Oh, il va me tuer, j'ai pas vu. Bon, en tout cas, si quelqu'un a réussi à battre Venom, il est trop chaud parce que moi, regardez, j'ai trop du mal. Oh, allez, on va essayer de le battre. Il faut donner un maximum de coups d'épée. Ah, mais par contre, là, mon épée, elle va limite se péter, en fait. Hein. Oh, je vais mourir encore. Est-ce que le parasol peut me cover? Oh génial, je suis protégé par un parasol. What, Venom, il s'est même pas monté une barrière, regardez. Le gars, il fait 50 mètres de haut, mais il s'est pas monté une petite barrière débile. Bah mon pote, t'es un peu à la ramasse, hein. Ah, bah tu vois quand tu veux. Ah, tu vois, là, il est motivé, là, hein. Il sait bien les monter, les barrières. C'est juste que là, il était pas motivé, je l'ai tapé, il vient. Hein. On va lui remettre des petits coups, là, comme ça. Ah, ok, ça craint. Je pense que là, on va se taille. Hop, parce que là, pour le moment, apparemment, c'est pas trop gagné, j'ai l'impression. On a un peu de mal. Hop. Oula. Attendez, il y a Venom qui m'attaque. Aïe. Est-ce que... Ouah, mais il va encore me tuer, c'est trop. Bon, les potes, il va falloir qu'on change de stratégie. Il va falloir que je me cache. On va se cacher dans la banque. Je pense que là, Venom, il me trouvera pas. Ok, je peux me cacher ici. C'est quoi ça? Ah, mais oui! Ok! Oh! Petite carte de crédit. Magnifique. Là, il y a quoi? Il y a. Petite console. Dans le coffre-fort de la banque! On est dans le coffre-fort d'une banque, les potes! Qu'est-ce que je fais là, moi? Je vais avoir des problèmes. C'était pas le but. Je voulais pas venir là, pardon, excusez-moi. Je m'en vais. Là, il y a des gens, on dirait, qui achètent peut-être. On sait pas trop ce qu'ils font. Ah, petite réputation. Ah, mais regardez, il m'attend encore dehors! Hein. Il m'attend dehors! Hein. Ouais, il veut vraiment ma peau, lui. Hein. Alors, je sais pas si je vais pouvoir essayer si je vais pouvoir le tuer. J'ai l'impression qu'il est quand même compliqué. Attendez, j'ai une idée, les amis. On va tenter, du coup, de le tuer d'une certaine façon. Bon, c'est un petit peu de la triche, mais... J'ai pas trop le choix. Là, j'ai pas trop le choix, Venom. Tu m'obliges à passer à la solution, à la manière forte. Je vais devoir te... Ah ouais, se téléporte. C'est comme ça, on se téléporte. Bah écoute Venom, que dirais-tu de prendre feu dans la lave? On dirait qu'il... Attendez, mais il esquive ma lave là en fait. What? Il prend pas feu? What? Venom, ça c'est de la triche ça. Alors ça par contre les potes c'est de la triche. Mais regardez-moi ça, Venom il prend pas la lave.
Attendez, what? Ok, alors je savais pas du tout, mais apparemment Venom est insensible au feu. Alors, je sais pas si c'est que dans Minecraft, mais je suis assez étonné qu'ils prennent pas feu. Vraiment, c'est incroyable. Attends, là on va mettre de la lave. Hop, on met plein de lave. Wouah, alors là les potes, on a mis... Oula. On a mis masse de lave. Tac, 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 on va encore mettre plein, plein, plein. Bon, attendez, la lave ça marche pas, j'ai l'impression. On va prendre des TNT. On va prendre un briquet. Un briquet, voilà, super. Et attendez, ok. On va tenter de tout faire péter autour de Venom, du coup let's go. On va mettre plein, plein, plein de TNT. Donc là, on va bombarder les bien, bien, bien les TNT, là. Donc là, on en met... Faut pas qu'il bouge, hein, bouge pas, hein, Venom. Les potes, faut surtout pas qu'il bouge. Oh non, il a bougé. Venom, bouge pas, Venom. Je te fais un... T'inquiète, je te fais une belle décoration autour de toi. J'espère qu'il sait pas trop ce qu'il sait. Ce que c'est. Apparemment, il est pas trop inquiet, hein. Il a l'air très calme. Bon, est-ce que vous pensez qu'il va survivre à ça? Moi, franchement, je pense qu'il peut pas survivre à ça. Regardez toutes les TNT. Oh là 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 là, Venom. Il va disparaître. Waouh, waouh, ça pète. Oh là 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 là, mais Venom est toujours en vie, c'est incroyable, mais il est trop fort. Attendez, et si je mets juste une grande rangée? Ah mais ouais, mais c'était des portes de trop par contre. Attendez, on va mettre une petite rangée comme ça, souterraine. Et là, on va bombarder, là. Regardez ce que ça va faire, vous êtes pas prêts, je pense. Bon là, Venom, il va prendre tarif, hein. Regardez, j'en mets plein devant lui, là. Hop, ça pète. Wow. Oh! Il est mort? Oh! Les potes, je crois que Venom est mort. What? Il est tombé là-dedans, vous croyez? Je prends mon épée, hein. Venom! Oula! Oh, c'est bizarre. C'est curieux. What? Alors là, les amis, j'ai pas vu ce qui s'est passé. J'ai l'impression que... Attendez, il y a quelque chose là-haut. Mais j'ai quand même l'impression qu'il a disparu ou... Enfin, qu'il a explosé et pouf, il est plus là, quoi. Genre, incroyable. Attends, on va essayer de remonter à la surface pour voir s'il n'y a pas Venom. Attendez. Il n'y a pas trop... Oh, mais en fait, si, il est là-bas. Oh, j'ai cru que je l'avais tué. Oh, mais ouais, franchement, j'ai vraiment cru que je l'avais eu, là. Hein. Pour le coup, franchement, je pensais vraiment qu'il était mort. Bon, on va réessayer. Peut-être que c'est la bonne méthode ou pas, d'ailleurs. Hein, je ne sais pas. Je suis pas expert en TNT. Attendez, on va en remettre. Et là, on va en mettre plein, 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 comme ça. Genre, on en met un maximum. On met un maximum de TNT. Oh là 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 là, mais Venom, il est toujours en vie, c'est incroyable. Attendez, et si on lui met... qu'est-ce qu'on pourrait mettre qui pourrait, par exemple, tuer Venom? Des Blaze, peut-être? Il n'y a pas de Blaze. Ah, ou des... Attends, est-ce qu'il y a les Ghasts? Il n'y a pas les Ghasts. Mais est-ce qu'il y a les œufs de monstres, au moins? Il y a les ravageurs. Les pandas, bon, les pandas, bon. Est-ce que... Attendez, mais est-ce que Venom, il tue les pandas? On va voir ça tout de suite, c'est parti. Ah, c'est un ami des pandas. C'est un gentil ami des pandas, on aime bien. Et le ravageur, est-ce qu'il est pote avec les ravageurs? Ok, apparemment, il s'en fout des ravageurs. Et si on met... Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Un gardien? Après, on a quoi? Après, c'est que des poissons. Hein. Après, c'est que des poissons... Des chats, des chauves-souris. Ok, on n'a pas trop de monstres très très effrayants. Quoique, peut-être que ça, il peut peut-être se fight avec, j'ai l'impression, non? Ok. Et si on fait un slash kill arrobase E? La fameuse commande... Oh, bah voilà, Venom est mort. C'est la fameuse commande ultime pour tuer toutes les entités non-joueurs, en fait. Voilà. Et ça permet, du coup, d'éliminer Venom. Bon, je pense que c'est... Mais franchement, les potes... Alors, dites-moi si vous êtes chaud pour refaire une vidéo où je tente de battre Venom, parce que pour le moment... Et ben je n'ai pas encore réussi, Venom il est imbattable. Le seul moyen que j'ai réussi de résister un peu à lui pour pas qu'il me tue, c'est de me cacher dans des sortes de sous-sols. Enfin vous savez les portes là où il y a un toit comme ça. Parce qu'en gros lui Venom il peut pas passer. Lui le Venom il arrive ici tu vois. Donc bon tout ce qui est... On va dire que là il peut pas rentrer là-dedans tu vois, c'est trop petit pour lui. Et ça c'est plutôt un avantage, ça me permet du coup de survivre. Et par contre cet appartement est très très beau. Il est vraiment très sympathique, j'aime beaucoup. Attendez mais on est où là en fait dans la ville? Ok, donc là, c'est le petit coin rangement. L'escalier, il est où? Ah, l'escalier est là. Ok, bon là, il y a des petits immeubles. Franchement, l'immeuble est vraiment pas mal. Hein. J'aime bien. Par contre, bon, il est à moitié pété, du coup, avec les TNT, mais il est pas mal quand même. Genre, je l'aime bien. Moi, je le trouve sympathique. En plus, regardez le toit avec le petit green top, ça s'appelle. Tu sais, un mode écologique, là.
Ah, ça c'est frais, ça on aime bien. Oh, il y a une piscine sur le toit là? Mais non. Non, c'est pas une piscine, c'est des vitres. Bon, et eh ben les potes, mettez un maximum de like, abonnez-vous à la chaîne, mettez mon code créateur dans la boutique, full boss, c'est très important. Nouvelle saison qui arrive très bientôt, donc soutenez-moi au maximum pour que je fasse du coup des lives et des vidéos dessus. Vous allez kiffer, c'est trop bien, on va même jouer ensemble. Voilà, tous ceux qui mettent mon code créateur les potes, on va pouvoir jouer ensemble, voilà. Si vous montrez juste que vous avez mis mon code et je vous invite pour faire une partie, il n'y a pas de problème. Et voilà les potes, full boss, allez, ciao, ciao. Bon les potes, avant de commencer la vidéo, les gars, je compte sur vous, n'hésitez pas à mettre mon code créateur dans la boutique. Du coup, vous allez dans boutique d'objets et vous cliquez sur soutenir un créateur et vous mettez le code FULLBOSS les potes, ça ferait trop plaisir. Donc vous mettez en minuscule ou en majuscule et vous cliquez sur accepter et c'est bon. Vous avez mis mon code, ça fait trop plaisir. Merci à ceux qui mettront le code et dites-moi sur les deux vidéos sur Fortnite et je vous souhaite un très bon visionnage.